Ce matin, Seigneur, nous nous sommes réveillés pour venir dire à nos problèmes que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Oh Père, accepte que du début jusqu'à la fin, que nous puissions retenir une chose, que c'est toi seul qui es grand. Tu es plus grand que le cancer, tu es plus grand que le sida, tu es plus grand que le coronavirus. Tu es plus grand que toutes les épidémies, tous les tremblements de la terre. Tu es plus grand. Seigneur, nous voulons annoncer ta grandeur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci à vous. Je demandais un petit tableau pour vous faire de... Hein? Voilà. Genèse, puisqu'on a déjà donné, on a déjà fait toutes les civilités. Le pasteur qui m'a invité ce soir, ou qui a permis que je puisse vous parler ce soir, ce n'est pas un frère pour moi, mais c'est une famille, n'est-ce pas? On se connaît maintenant, je pense, il y a une quarantaine d'années. Voilà. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa famille. Genèse chapitre 37, si vous êtes là. Alors, nous allons lire le premier. On va faire des lectures kangourou, d'accord? Deuxième, et puis nous allons sauter au cinquième verset. D'accord? Ici, tout est... Voilà, voilà. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Ce que je vais vous prêcher ce matin, c'est le résultat de plusieurs heures de prière, plusieurs moments de jeûne, plusieurs moments de retraite. D'accord? Ce que je vous prêche maintenant, et le fruit de ma consécration. J'étais devant la présence de Dieu, je disais, Seigneur, je serai à Corbeil-Essonne, mais qu'est-ce que je vais dire? Donc ce que je vous prêche ce matin, c'est ainsi dit l'Éternel. Soyez prêts parce que ça peut catapulter votre vie à quelque chose de grand ce matin. Vous avez bien fait de venir, même s'il y a des problèmes de train, même s'il y a la fatigue du boulot, vous avez très très bien fait de venir répondre au rendez-vous de Dieu. Regardez ça. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous y êtes? Chez nous, on disait, nous y sommes. Verset 5. Joseph eut un songe. Est-ce que vous êtes là? Il eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Est-ce que vous êtes là? Donc retenez deux choses là. Non, une chose d'abord, 17 ans. Est-ce que tout le monde a retenu 17? 17, ça s'écrit comme ça. 17. 17 ans. Alors maintenant, Genèse 45. 45. Hein? Au 45, nous allons lire tout simplement le verset 6. 45, verset 6. Il est question des années ici. Regardez. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour
ni moisson. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chapitre 35, 37, chapitre 45, 8 versets. 8 chapitres. D'accord? Il reçoit le rêve. À quel âge? À 17 ans. Pourquoi 17? 17 ans. D'accord? Ah, là, 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 là. Il reçoit le songe, il est dit dans sa famille, il a 17 ans. Alors, maintenant là, 8 chapitres après, le rêve qu'il a eu ici se matérialise là. Est-ce que vous êtes là? Mais là, 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 il a quel âge? À 17 ans, il le reçoit. Là, j'ai déjà fait ses calculs devant la présence de Dieu. Il a quel âge? 24. Il a quel âge? 22. Il a quel âge? Là, 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 il a quel âge? Là, il a 39 ans. Est-ce que vous êtes là? Alors, rapidement, même si ce n'est pas l'école, mais c'est la maison de Dieu. C'est là où il y a tout. Dans la maison de Dieu, on peut aussi faire la science que tu n'aimais pas à l'école. C'est quoi? Mathématiques, voilà. Surtout calcul mental, mon Dieu. 39 moins 17. Ça fait combien? 22. Nous sommes à l'an 2022. Donc 22. L'année 2022. Nous sommes au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a prévu que je vienne te dire ça au mois de mai. Donc tu viens déjà de passer combien? 4 mois où tu ne savais pas que cette année, c'est une année stratégique pour toi. L'année 2022, c'est l'année de la réalisation de la promesse de Dieu. De l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a promis des choses. Eh bien, quand Dieu promet des choses à quelqu'un, Dieu attend 22 ans. Ça prend 22 ans de développement de la développement de ce que Dieu t'a donné. Eh bien, ce matin, je suis prêt, sous l'onction du Saint-Esprit, à te poser la question. Est-ce que tu peux mettre à jour ton rêve? Le rêve de Dieu. Est-ce qu'on peut se servir de Google spirituel ce matin? Quand tu utilises trop l'ordinateur, il y a un moment où celui qui a conçu l'ordinateur a conçu quelque chose en bas. Il te dit, mets à jour. Pourquoi? Parce que le plus grand péché de l'homme, c'est quoi? C'est l'oubli. Ah, Dieu m'a dit ça, mais ah papa, il y a très... Je vous ai dit que j'ai connu votre pasteur maintenant une quarantaine d'années. Je l'aime beaucoup parce que moi et lui, on a vécu des moments exceptionnels. J'avais quel âge? 16 ans, j'avais, oui. Mais à 16 ans, Dieu me disait des choses. J'étais en Afrique. Je ne mettais pas encore de pantalon. J'avais, comment vous appelez ça ici? Des shorts. Quand je suis venu nouvellement en France... Je ne savais pas qu'il fallait pas dire culotte. J'ai dit culotte. Tout le monde s'est mis à rire. On a dit non, pasteur, on ne dit pas culotte ici. Chez moi, on dit culotte. Il dit, on dit short. À 16 ans, je regarde ma femme aujourd'hui. Je lui dis, chérie, tu sais, ça là, Dieu me l'a dit. Il y a très longtemps. Est-ce que vous êtes là?
22 ans, c'est l'année où tu dois te rappeler. Oui, parce que c'est ça la manière de votre Dieu. Votre Dieu a la manière de dire en avance les choses qui doivent se faire après. Dieu ne fait pas des choses qu'il n'a pas annoncées. Il annonce quand tout est encore tohu bohu. Tout est encore noir. Tu as 75 ans. Tout est fini. Tu t'appelles Abraham, obscurité, Hossein. Tu es rien. Et Dieu vient te dire, je ferai de toi un grand. Même Abraham lui-même, il se regarde, il dit, mais certainement que tu viens de commettre la bêtise qu'un Dieu ne peut pas connaître. Moi là, oui, quand Dieu vient nous parler, nous sommes dans le noir. Mais n'oubliez jamais, ce garçon a 17 ans. Il s'appelle, regardez, son nom, ça s'écrit comme ça. Yosef. Ça, j'ai écrit l'hébreu. Yosef, hein, c'est l'équivalent d'un mot. Hein, Yikoum. Les deux mots ici marchent ensemble. Yosef, c'est Yikoum. Mais dans ce mot-là, hein, nous comprenons que ton nom, c'est ta destinée. Je dis ton nom, c'est ta destinée. C'est-à-dire que quand la maman a eu l'enfant, il a appelé Yosef. C'est comme si la maman disait déjà, ce garçon, il s'appelle réalisation. Pourquoi le rêve se réalise? Parce que quand la Bible parle de Yosef, quand la Bible parle de Jacob, d'Abraham, la Bible ne met pas de gants. La Bible ne veut pas nous présenter des photos Facebook. Hein? Si vous regardez les photos Facebook, ce sont toujours des photos magnifiques. Des photos top modèles. Ce sont toujours des photos nickel, mensuration douce. Hein? Comme... Hein? Hein? Donc, toutes les positions qu'il faut, c'est nickel. Même si elle a souri, sourire, même si elle s'est coiffée, mais vraiment, vous regardez tous les... Regardez. Quand vous regardez ces photos-là, la première des choses qui vous tirent que ces photos-là ne sont pas bonnes. N'est-ce pas? Ce sont des photos prises, mais après, je ne vais pas. Après quoi? On a mis ces photos dans les laboratoires spécialisés. Pour faire quoi? Enlever toutes imperfections. Si le mot était un peu prononcé, il quitte 12%, mais il était à 9%. Si la poitrine était un peu trop avancée, ils disent non, toi ça, c'est toi ça. Non, ils font aller à 30, mais 22. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais quand on parle de la Bible, quand on parle de Joseph, quand on parle de Jacob, quand on parle de la promesse de Dieu, la Bible nous donne des histoires comment? Réel, ma soeur. Réel. On ne cache rien. Amen. Regardez-moi. Ce que je trouvais dans la parole de Dieu est que la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie commence par la famille et se termine aussi. Voilà. Commence par la famille et se termine par c'est-à-dire que la famille est le lieu par excellence de la bénédiction de Dieu. Amen. Regardez-moi. Tout ce que Dieu fera dans votre vie, il le fera au travers de votre famille. Amen. Je répète. La famille est le lieu par excellence. Maman, papa, le frère, le lieu où Dieu vient réaliser. Et le diable est au courant de ça. Voilà pourquoi il fait tout. Il a tout.
l'homme, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Saper la famille. Pas de famille. La famille, non. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille que Dieu vient réaliser. On comprend maintenant pourquoi Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Dieu duquel tire le nom quoi? Toutes les familles de la terre et de... On nous montre même que... Oh, alléluia! Il n'y a pas que les familles terrestres. Il y a aussi des familles quoi? C'est-à-dire que dans ta famille, il y a deux réalités. Il y a une réalité terrestre, il y a aussi une réalité quoi? Céleste. Il faut que ta famille terrestre soit en contact avec ta famille quoi? Parce que ta famille céleste n'est pas ma famille céleste. Chacun de nous doit chercher maintenant quelle est sa famille céleste. Ce qui nous tue, nous, c'est que nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les familles. Moi-même qui vous parle là, en tout cas, mon arbre généalogique souffre. Je connais que au moins le père de mon père, je m'arrête là. D'accord? Aujourd'hui, aux États-Unis, la science qui fait tabac aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette science de généalogie. Tout Américain veut savoir d'où il vient. Ils sont en Amérique, ils mangent bien, ils sont bien lotis, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Mon origine. Même la Bible, en écrivant la Bible, cet homme-là a dit, même si les gens des versets nous énervent, n'est-ce pas? Les engendras, c'est... Ce sont des versets que les gens n'aiment pas trop lire. Hein? Vous aimez ça? Oh là là. Vous aimez ça, vous? Non. Quand ça... Regardez. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda. Juda engendra. Ça fatigue. Engendra. Yaya. Ce qui démontre pourquoi tu es pauvre. Voilà pourquoi ta vie chrétienne n'avance pas trop. Voilà pourquoi les réalisations parfois dans ta vie sont comment? Sont compliquées. Même pour Jésus, on a voulu retracer quoi? Retracer la famille. Regardez très bien celui qui a écrit ça. Il a réparti les choses. 14. 14 fois 3, c'est combien? Ce pasteur aime beaucoup de calculs. Hein? 14 fois 3, combien? 42, ma soeur. 42. Donc Jésus est de la 42e génération. Pour que Jésus arrive, il a fallu une génération. 3. 42. Et toi, tu n'as jamais fait les 42. Mais tu sors. Alléluia, je suis tellement puissant. Oui. C'est l'onction du Seigneur. C'est lui qui est venu sur terre, qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité les morts, qui a fait les choses, multiplié le pain, qui a fait des choses extraordinaires. On prend le soin de dire qu'il est venu dans une femme. Famille. Il est sous. Hein? Il est. Hein? Comment on l'appelle? Yeshua. Ah. Mais pourquoi vous êtes dans ce pays-là? Yeshua. Il sauvera. Mais il sauvera. Il sauvera qui? Son peuple, c'est qui? Mais regardez, son peuple, c'est quoi? Mais on a dit qu'il est. Regardez, c'est comme d'abord il y a une petite généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Entre Jésus et Abraham, qui est venu avant? Entre David et Abraham, qui est venu avant?
Abraham, hein? Mais regardez qu'est-ce qu'on met. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est normal ça. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des ça. J'anime une émission pendant 5 minutes via Facebook. Cherchez-moi. J'explique de telles anomalies dans la vie. David et puis Abraham. Je vous pose la question, c'est normal? Mais comment vous me regardez comme ça? Vous voulez que je parle de ça? Je vous pose la question, est-ce normal? Bon, vous ne voulez pas parler, je peux parler aux gens de YouTube là-bas. Non? C'est-à-dire que celui qui a écrit les engendrats, son idée, ce n'était pas de vous donner des choses historiques. Non! Ce n'était pas son problème hein, de vous dire qu'Abraham est venu avant. Non! Il est en train d'expliquer des choses. Quand il dit, il commence par David après Abraham, il sait ce qu'il dit. Et quand il nous mentionne nos mères, hein? N'est-ce pas, frère? Quand tu lis Matthieu 1, tu découvres que nous avons commis de mères. Voilà, il a bougé la tête. Mais dès que je m'approche de lui, il me regarde comme un. Voilà. D'accord? Donc quand tu lis, n'est-ce pas, frère? Tu découvres qu'il nous a cité 5 mères. Première mère, c'est qui? En tout cas, dans les 5 mères, il y a qui? Il y a Rahab, il y a Tamar, il y a qui? Bathsheba, il y a qui encore? Bon, je vais te donner tous les noms parce que, en tout cas, vous me donnez l'impression comme si je suis en train de prêcher un livre de Romain de Bois. Je prêche la parole de Dieu là. Amen. C'est la parole de Dieu capable d'amener la vie dans vos vies. Mais si vous n'arrivez pas à déceler ça, eh bien. On ne va pas en Israël pour dire je deviens roi. C'est moi qui roi bien. On dit aux Israël, c'est moi la question. Tu es de quelle famille? Tu es de quelle femme? Famille. L'église souffre pourquoi? Parce que tout le monde veut devenir tout le monde. Tu veux devenir prêtre en Israël? On te demande tu es de quelle femme? D'ailleurs, il faut que tu sois de quelle famille pour devenir roi. Je dis, il faut que vous êtes fort à WhatsApp, c'est moi. Le WhatsApp ne changera pas trop votre vie. Ce qui changera votre vie, c'est la connaissance de la parole. Alors ne regardez pas comme des gens qui ne connaissent rien. Parce que dès que je vous donne le portable, il est là. Si tu as tu es blanc, tu fais qui pour. Ne vous donnez pas trop aux réseaux sociaux. Donnez-vous trop à quoi? À la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Mais on parle de la famille, non? Papa, maman, et puis les enfants. C'est Dieu qui a créé cela. Amen. Une maison doit avoir le papa qui a dit l'autorité. Amen. L'autorité. Alors maintenant, l'autorité, c'est pas taper, c'est pas donner le coup de pied, c'est pas crier fort, c'est pas crier fort pour être respecté. L'autorité, c'est là. La capacité de se faire respecter. Mais tout le monde est au carreau là. Pourquoi? Parce que c'est le Père. Est-ce que vous êtes là? Cet enfant a reçu la vision là où il y avait le Père. C'est pour ça qu'il a commis la première bêtise d'aller expliquer la vision à qui? À ses frères. Non, pas à ses frères. C'est comme ça, si tu es là. Tu n'as pas encore compris l'importance de la famille. Tu n'as pas encore commencé à prier. Autorité et influence. Parce que la femme, c'est quoi? C'est l'influence. La femme, c'est quelqu'un qui est. Parce que l'influence, c'est la capacité de revenir à quelque chose jusqu'à ce que tu auras quoi? Gain de cause. La femme peut te saouler pendant toute une journée. Elle a déjà dit ça, mais elle veut quoi? Elle veut quoi? La femme, c'est comme le laser. Ça pointe un point où il n'y a pas d'argent de cause. Tu as dit, je n'ai pas d'argent. Elle n'a jamais de cause. Mais je t'ai dit que je n'en ai pas. La femme, c'est un élément technique. Même le matin, tu as déjà parlé le soir à 0h que tu n'as rien, mais le matin, il regarde encore en face, il te dit quoi? C'est comme si moi,
Regardez, c'est comme ça que si la femme est cible du malheur. Autorité, quoi? Autorité, quoi? Ça, c'est des choses que Dieu a prévues. Là où il n'y a pas d'autorité. Là où il n'y a pas d'autorité, parce que c'est la culture française. C'est comme ça, il a 18 ans, il a une copine, voilà, mais je vois que j'ai rien à faire. C'est la France qui dit ça, et puis on va sur le salon, là, elle est avec sa copine. À la chambre, moi, sur le salon, je regarde carrément la télé. Dès qu'ils vont sortir, je vais leur dire aussi, ça s'est bien passé, est-ce que vous êtes bien amusé? Papa, tu as des jupes. Papa, je regrette, quelle que soit ta nationalité, tu as déjà porté des jupes. Parce qu'un véritable papa ne peut pas accepter ça. Amen. Toi, tu dors déjà. Et c'est mon fils qui vient de l'éveiller. Papa, mon chien, je t'en ai la voix. Je t'en ai la voix, je suis fatigué. C'est toi, papa, qui fait. Tu ouvres, tu lui ouvres aussi la porte. Et puis tu dis à la fille, ça s'est bien passé, ma chérie. Elle est en calme. Écoutez, chez moi, tu auras des soufflets pastoraux. Vous êtes évangélique. Tu le sais. Cet enfant-là, à qui la réalisation doit se faire. Oh, très bien. Amen. Nous, patriarches, Abraham. Oh là là. Abraham dit, Isaac, Yaakov, ne blaguez pas avec cette histoire de mariage. Pour leurs enfants, ils ne blaguaient pas. Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher lui. La femme et son fils. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes le fils de la promesse. Dieu nous a promis des choses. Oh, alléluia. Et ces choses-là ne se réalisent que dans la famille. Voilà pourquoi on ne va pas blaguer au mariage. L'élément capital qu'on doit capitaliser dans nos vies. Ce que nous sommes ensemble. On s'est dit, ah bon, on s'est rencontré seulement comme ça. Moi, j'étais au coin de la lune. Et puis, elle est passée. J'ai eu les papillons. J'ai eu. Vous savez comment t'es allé au palpitation. Palpitation. Je n'ai jamais entendu les papillons. Palpitation, ça va. J'ai pris le tien. Palpitation. Coup de foudre quand j'ai vécu. J'étais comme. J'étais comme un électrocuté. Ça, c'est toi qui le dis. Le ciel le dit. Et Dieu déplace un oiseau de l'Orient. Il l'amène aussi à l'Occident pour qu'il fasse sa volonté. Amen. Donc, dès que vous vous êtes rencontrés, il ne faut pas dire au monde. Parce que c'est la loi de la nature. Même la nature en question. Vous savez comment on appelle la nature? La nature, le bleu, c'est. Hateva, ça a la même valeur numérique que Elohim. Donc, même les forces cosmiques, chez nous, on dit Nzambe, Nzambe. Papa, Nzambe t'a dit quelque chose? Non. Qui Nzambe a dit quelque chose? Nzambe, et puis Mbe. Alors, nous, quand on dit Nzambe, ça ne dit rien. Oh, Nzambe, c'est Elohim, le maître de tous les. Toutes les forces tant négatives que vous. Oh, je prêche dans quelle église là. Tant négatives que vous. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui gouverne tout ça. Eh bien, tu t'es raconté avec ton mari comme ça. Et c'est lui qui a gouverné. Mais après, puisque tu viens de comprendre que tout ce que Dieu dit ne se réalise que dans la famille. Ne prends pas la famille à l'échec. Alors maintenant, je comprends le souci, parce que c'était ça aussi mon souci. Moi, je suis, je vais appeler le micro comme ça, le 11e de ma famille. Je suis le premier fils du 5e femme de mon père. Ah ouais, vous savez, là, c'est parce que le bon. Ça ne te concerne, hein? Mais c'est quand même bien fort. Amen. Amen. Est-ce qu'en fait, là? Amen. Celui qui vous prêche, là, il est le fils d'une maman
qui était cinquième dans le rang. Mais avant que je puisse vous le dire, vous vous l'avez mal. Non. Non. Même l'enfant, il n'a pas avec moi. Amen. Vous vous l'avez mal. Pourquoi? Parce que le maître de l'histoire, il sait comment toujours faire jouer tous les problèmes qui se passent dans notre vie comme au jeu de la musique. Chaque nom a son importance. Regardez ce qui me choque souvent. Ce qui me choque moi en tant que prédicateur, c'est des problèmes comme ça. Voici la prospérité de Jacob. Yosef, c'est bien normal ça. Et vous, vous aimez votre vie. Vous réalisez au moins. Regardez. Voici la postérité de Jacob. Yosef. Est-ce que c'est normal? Il fallait qu'on entre l'histoire. Le corps. Et les autres me m'épousent comme si je suis un savant. Oh, j'ai été béni. On commence par les premiers. Ruffin. Parce que lorsqu'on l'a eu, même la mère était contente en disant, voici mon fils. Tu n'aimes pas trop parce que je suis laid, j'ai des yeux dans ton dos, parce que je ne suis pas ton choix. Mais si je ne suis rien, je louche. Mais regardez, je suis quand même capable de faire un enfant. Mets-toi là, et Jacob, regarde. Regarde, tu mets les yeux sur Rachel là. Mais c'est moi, Léa, ta femme. C'est moi qui vais t'enterrer. C'est moi qui vais te mettre en terre. Louche, mon fils, regardez-le. Yaya. Mais là, on vit la possibilité. On met le 11e devant. On met le 11e devant quoi? Devant le premier. C'est la vie, quoi. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Et regardez-moi. Si tu négliges ta famille, tu négliges ce qui est le plus beau que Dieu te donne. C'est-à-dire que parmi tes enfants, il y a un enfant que Dieu va aimer. Il sera la joie de votre famille. Amen. Le plus longtemps de toi, papa, tu passes ton temps seulement à faire quoi? À faire quoi? À ne pas connaître ta famille. Il y a des familles comme ça, ils étaient riches, première génération, riches, deuxième, riches. Ils sont entrés dans une génération où ils sont devenus pauvres. Pourquoi? Parce que justement, les enfants, ils ne connaissaient pas le totem, ils ne connaissaient pas la grâce que Dieu a déversée dans leur famille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'y a pas longtemps, l'enfant de Bokassa a été retrouvé dans un parc de Paris. On lui donne le micro, il dit on m'a chassé de la maison. Scandale! Cette vidéo a fait le buzz. Son père s'appelait l'empereur Bokassa. Cet homme-là s'asseyait sur les diamants. Il a même donné un diamant jusqu'à l'estin. Cet homme-là était riche, mais son fils, Esther. Il y a beaucoup d'Esther de maman ici. Parce qu'ils connaissent même pas leur mère. Tu ne connais pas ta mère, tu seras béni. Maman, celle qui est à côté de toi, c'est ta mère. Honore ton père et ta mère. Regardez-moi. Ta bénédiction vient de tes parents. Amen. Oubliez ça. C'est. Excusez-moi, c'est un café. Si vous voulez connaître les affaires, ne respectez même pas. Hein? J'ai enterré mon père. Je suis même pas capable d'aller fondre là où on a enterré. Quand on m'a mis dans les cimetières, j'ai dit, En France, il y a des cimetières, Pierre-Lachaise, c'est le cimetière de 1400 morts. Pierre-Lachaise, c'est 1400 morts. Mais tu es française, moi je suis anglais. Merci beaucoup. Bah, excusez-moi, madame. Tu dis qu'il faut connaître ce que tu ne connais pas dans personne. Mon peuple est détruit parce qu'il m'a quoi? La connaissance de savoir qu'on aurait son père. Il dit, même s'il meurt, il
déjà d'être vivant au cimetière, démon, il faut chasser au cimetière. Esprit de cimetière, esprit de cimetière. Quelle prédication! Qu'est-ce qu'on a fait de nos ancêtres? Jésus avait des ancêtres. Amen. Bathsheba, c'est la mère de Jésus. Rahab, c'est la mère de Jésus. Mais quand on cite ces femmes-là, on est choqué parfois. Parce qu'elle est même Rahab. La sœur avait m'ajouté dans prostituée. Ma chérie, ça c'est pour te faire comprendre que tout ce que tu auras, tu l'auras dans ta femme. Amen. Ça déscandalise parce que la plupart de nos problèmes ici, c'est ici. Regardez. Faisait perdre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa. On ne cite même pas Léa, on ne cite même pas Rachel. On cite Zilpa et quoi? Bila, troisième femme et combien? Et quatrième femme. C'est-à-dire une famille comment? Dysfonctionnelle, toxique. Bon, je ne suis pas français, mais là, cherche-moi les mots. Dysfonctionnel, toxique, désordonné. Maman, une anglaise a fait sortir désordonné. Une famille française, une famille comme exécrable. Exécrable, une famille comme mais frère, j'aime quand même tu parles. Hein? Une famille comme déstructurée. Déstructurée, voilà quand tu parles, c'est beau. Déstructurée, une famille comme alors, ce qui nous trompe maintenant quand nous parlons de nos familles, aux familiales, comment toi tu as la manie de nous voir que là où ça marche? Comment vous me faire sortir de ces familles-là? Tu vois les sorciers? C'est comme si la bonne famille du manque de sorciers. Hé! On a en famille, il y a trop d'ennemis, mais ces livres écrits, ces livres écrits, que tu auras des ennemis comme qui? Le membre de ta famille, en fait, la personne qui va vraiment te faire du mal, il faut que tu sois ton frère. Amen. Mais si tu n'es pas ton frère, ça ne va pas faire le travail de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut consolider ce qui a mis en droit. Je répète beaucoup pour ceux qui viennent à l'église, ils savent que l'église est une maison, l'église est une famille. Amen. Et de temps en temps, on a aussi au yo-yo, on a aussi quoi? On a aussi au problème. Amen. Et puis tu dis pourquoi? Oh papa, laisse tomber. Dans cette église-là, il y a des petits ombres, des petits ombres, des petits ombres. Au nom de Jésus, j'appelle les problèmes dans cette église. Parce que plus il y a des problèmes, plus la réalisation de la promesse est possible. Amen. Qui a déjà vu sa famille? Papa, il m'embête. Les Africains, ils m'embêtent. Ils m'embêtent tout le temps. Envoie l'argent, envoie l'argent. Je dis, sois ce que tu es. Et tout le temps, quel égoïste! Quel est ce frère? Quel est ce frère? Cette femme, toi tu es sorti de ta famille en disant ma maman était sorcière. Tu n'as pas encore compris la leçon. Oh non, ton père est là. Je n'attends que les contacts.
Ma soeur, tu vois l'Ukraine là? L'Ukraine, c'est le 22e force dans le monde. D'accord? Et l'Ukraine se bat avec qui? La Russie, 4e. 4e, ma soeur. Et tu l'as dit, moi je m'avance du 4e. 2e. 22 à l'intérieur de la comment est-ce que l'armée 22e arrive à résister à Poutine? Écoutez selon Vladimir Poutine. Vladimir d'aller là, il est déjà c'est un roi. Vladimir. Comment ça va être Vladimir? C'est pour ça que la guerre de Vladimir, de l'autre côté, Vladimir Poutine. De ce côté-là, Vladimir quoi? C'est l'esprit de Vladimir. Donc, bien qu'on va de Vladimir, qui va faire? Poutine est là, il y a mis les choses en face comme ça. Je vais bombarder et je vais lancer. L'autre là, il est qui? Un petit comédien. Il faisait les rôles de l'arrivée. Le président, il n'y a pas longtemps. Mais le ciel a désigné d'être une bénédiction pour sa nation. Amen. Frère, ce n'est pas parce que ça commence mal et que ça se termine là aussi. Amen. Il a commencé comédien et il est devenu président. Alors toi, même la comédie, tu fais pas. Même la comédie, tu le. Ta vie est toujours stressée. Je vais prendre le 35, moins 5. Je vais arriver à Paris, vous êtes 7. Et puis, nous serons au bureau à 12. Ma papa. Papa, tu vas faire la WC pour rien. La fille parfois c'est la présente. Amen. La fille parfois c'est la. Amen. La fille parfois c'est. Amen. Alors. Pourquoi il crée le résiste? Est-ce que quelqu'un une réponse? Pourquoi il crée la vie? Forever! Oh.
Amérique, avec les autres, sans les Occidentaux. D'accord. Cette guerre-là, pourquoi ils existent? Parce qu'ils ont fait ce que toi tu négliges. L'alliance. Le pacte. Lorsque nous avons lieu, il y a 21 ans, j'ai connu une fille, elle avait 17 ans. J'ai senti dans mon cœur que je l'aimais. J'ai maintenant fondé une famille. Je suis allé à voir, j'ai dit, tu es ma sœur, ma fille, tu pries dans mon église. Je ne veux pas aller loin. Je connais un peu le cas spirituel de tout un chacun. Chez nous, on dit, avec son nom n'est pas immédiat. C'est-à-dire, là où on sème, c'est là où on fait quoi? On mange. Elle m'a dit, oui. Je suis allé vers sa mère qui prie aussi dans mon église. Je lui ai dit, maman, je vais prendre la je ne vais pas aller la bas. Celui qui combat le combat de la journée.
m'allez pas. Oh, j'ai eu cette femme. Le premier enfant est sorti, aujourd'hui il a 24. Il s'appelle Ariel, il chante à merveille. Premièrement, déjà l'enfant est malade. On l'amène à l'hôpital. Deux mois après, j'ai rentré dans l'hôpital. Je vois mon fils en train de me faire des gestes. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi j'ai vu dans ma vie, depuis la jeunesse, pour avoir des problèmes comme ça. Regardez-moi, je suis parmi ces jeunes-là qui n'ont jamais connu les bonnes théories, qui n'ont jamais connu les cigarettes, qui n'ont jamais connu les... Je n'ai jamais connu la jeunesse. Ah, non! Toute ma jeunesse dans la maison de Dieu! Alors, tu as donné ta vie à Jésus, et là l'enfant il a été mort. Donc Jésus a fait quoi? Je soulève l'alliance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, dans ce mariage, on n'est pas Dieu. Dans ce mariage, on est toi. Amen. Toi, tu es là, et le fil à toi comme nous ne serons jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui combat la nuit. C'est lui qui contrôle les choses que moi je ne peux pas contrôler. C'est lui qui assure la sécurité à mes enfants. Quand ils sont à l'école, moi je ne suis pas là. Mais qui va garder des enfants à l'école? C'est quoi le mariage là? Non, c'est qui va garder les enfants. C'est l'alliance que vous bâtissez. Parce que tout se fait au travers de la famille. Et ses frères propres l'ont trahi. Ils l'ont vendu. L'histoire que je veux. La Bible dit que c'est très grand. On a dit, 22 ans après, il retrouve ses pieds. La Bible déclare, cet enfant n'a jamais pleuré. Voilà pourquoi, si tu rencontres quelqu'un dans sa vie, qui ne raconte que des souffrances, des souffrances, des souffrances, des souffrances dans sa vie, dis-lui que tu es la vie. Je peux répéter? Oui. Si tu rencontres quelqu'un qui a connu des choses horribles, comme qui? Joseph, qui avait l'impression comme si son rêve s'est transformé en cauchemar. Tu connais le cauchemar? C'est comme s'il dit à Dieu, Seigneur. Tu sais que moi, à ma jeunesse, je me disais, Seigneur, pourquoi vraiment tu m'as mis dans une famille comme ça? Hein? Il y a des familles comme là-bas, regarde. Là-bas, tu peux même mettre les mains de l'éternel. Tu es venu me mettre dans une famille où le père lui-même est mort. Ah, Dieu lui est mort. Mon père, tiré de l'île. Père, son âme, je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Parce que je rencontrais celui qui donne l'amour. Parce que qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est pas fidèle. L'amour, ce n'est pas éros. L'amour, c'est-à-dire donner sans condition. C'est comme ça que quand vous êtes à deux, n'est-ce pas? Dès que les problèmes arrivent, Alain a agapé pour Hélène, Hélène a agapé pour qui? Alors vous êtes hommes, comment vous ne vous êtes pas battus? Comment vous ne vous êtes pas séparés? Nous, chez nous, là, dans ces mariages-là, c'est pas l'amour qui... Oh mon bébé, mon yaourt, mon bébé. Tout ça, ça part en l'air lorsqu'il y a des problèmes. Regardez la première année lorsque vous vous mariez, chérie. Bébé. Papa. 3 ans après. Alors, les enfants ici, ils n'attendent pas 3 ans. Il a mis ses mains. Il est nul. Parce que je te dis, voyez comment. Nul. Vraiment, j'ai regret d'avoir les garçons comme ça. Non, quand tu aimes. Quand tu aimes, tu regardes avec toi. Tu regardes l'autre. Quand il tombe, tu vas la voir. Tu me dis, chérie, je continue de vivre. Tu es la femme de ma vie. Dieu m'a donné de toi. Tu ne peux pas aimer l'autre. Ça, c'est la vérité. Car Dieu attend d'aimer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On pleure! On dit pas rien! On dit pas, je connais ta famille, il y a trop de sorcellerie là-bas. On dit pas non. Quand on a
l'amour, même si on est un enfant, on cherche toujours le plaisir de l'enfant. Quand je dis, c'est ta mère, c'est tes parents. Fais-toi pour toujours que le père dise, je ne ferai faire ça dans la jeunesse, mais tu l'as fait pour moi. Le père parle avec elle, avec toi. Une joie. Et le véritable fils qui est dans une famille, qui a compris le principe de la réalisation, il sait que tout ce qui s'est fait dans sa vie, c'est grâce à son père. Jacob est devenu gouverneur. Joseph est devenu Joseph. Joseph est devenu gouverneur, seigneur de paix. Quand il voit ses frères, il leur pose la question. Quoi? Il leur pose la question, qu'est-ce qu'il dit? Mon père est en vie, aïe. Ah, les enfants qui cherchent le bonheur de leur père. Même à l'église, on ne trouve pas. Il y a des gens qui m'ont appelé père. Dali, d'ailleurs, je vous défends d'appeler Dali. Au pied de nous, il faut qu'on ne le pas. Dali. Dès que l'homme fait une faute, ça a toujours été malgré les fêtes. Et les enfants de... Ah, maman, on reconnaît les enfants quand il était la nuit. Parce que les jours de la nuit, papa, j'ai péché contre ces enfants. Je suis déprimé par les enfants. Donnez-moi comme une église. La Bible est là. Le père n'a même pas attendu, il a embrassé. Qui sont encore le père qui embrasse? Tu veux élever tes enfants comme ton père t'a élevé. Parce que toi-même, tu as appelé ton père Zoro. Donc, si tu veux le dire, Zoro, c'est pas le père. Tu n'as pas une relation avec tes enfants. Tu vas faire le boulot, connexion. La connexion d'intellectuel. Les gens n'ont plus le temps, c'est le mauvais. Les gens n'ont pas plus le temps à manger ensemble. Manger ensemble! Qui d'entre nous savent ici que quand on mange, ce n'est pas manger qui est important. Quand on mange, ce n'est pas le fait de manger là. Non, même si tu es gourmand. Ce n'est pas le manger qui compte. Qu'est-ce qui compte pendant qu'on mange? Le lien qu'on est en train de faire quoi? C'est ici. N'est-ce pas ma soeur? Les blondes, c'est pour la tête. C'est toi qui vas nous faire le voir. Je dis à ma soeur, à quelle est quelque chose fait par la famille de celle qu'on a mis. Quand tu viens à ton pasteur, le reste de ce que tu vas te parler, tu vas lui dire le temps. Ma soeur, quelle est la dernière fois que tu as fait la famille? Papa est vivant! Écoutez, il est. Allez raconter à mon père la gloire de Jésus. Allez dire à papa ce que je suis devenu moi. Ah, est-ce que vous avez dit oui? On m'a mis sur le char, oui. On disait, Hachem, le nom Joseph, Hachem, tout le monde, Hachem. Vous avez dit ça? Allez raconter ça à papa. Dis à papa tout ça. C'est grâce à lui. D'ailleurs, le frère de Joseph a dit. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Puis la Bible est là qu'ils étaient. Hein? On lui dit papa. Papa est Joseph le vivant. Hey! Lorsqu'il a écouté ça, il a été hésité. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ça fait 20 ans que je pleure cet enfant. Et ne pleure pas. C'est que le Seigneur est en train de pleurer. Il y a des gens qui font des pleurs, des tensions pour rien. Ce que Dieu t'a donné ne peut pas mourir. Tu t'appelles. Réalisation. Au fait, dans l'ikoum ici, il y a koum. Talita koum. Vous avez déjà vu ça? Talita koumi. Jeune fille, fais quoi? Lève-toi. Au fait, le nom de Joseph, c'est la résurrection. Le nom de Joseph, c'est s'élever. Il te relèvera. Mais quand tu vis ta famille, ta bénédiction était avec la loi, maintenant tu peux. Oh non, je suis maintenant à l'église, hein. Venez, c'est quoi? D'ailleurs, ta famille,
c'est là où Dieu destine ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu es heureuse de porter cette tunique au champ. Mais le jour où on te mettra là, je sors. Donc, dès que tu es venu chanter ici, personne ne peut plus chanter. Il y a que toi. Non. Dans la famille, il y a une église. Comment on appelle ça, le chiche? Voilà. Là, je vais parler comme ça. Pour le chiche, mais attention. Joseph n'a jamais eu un jour. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une paix. Il y a même des chrétiens qui chantent de moi. Appelez mon nom. Mais quand on va donner le nom de l'église, va trouver des paroles de la question. Ça, c'est dit. Rodrigo. Rodrigo. Merci. Toi, c'est dit. Alex. Toi, c'est dit. Max. Toi, c'est dit. Et Benny. Voilà. Et puis, je vais venir. Toi, c'est dit. Et là, donc, en commençant par l'État, jusqu'à la rodage, chercher déjà la signification de votre nom. Parce que si vous le serez demain, sera la connaissance de Dieu. Je m'appelle Christ. Je porte en moi le nom de Yeshua. Yeshua est bien en moi. Enlève-moi la tunique. Dis-moi que je suis libre. Parce que dans la vie, il y a tout comme ça. Tu as bien prêché, tu as toujours été dans le nom de Dieu. Il n'a pas tout ce Dieu-là. Il est seulement pour nous faire dire, vraiment, j'ai trouvé sa tête de grâce. Moi, je suis venu te dire, prends soin de ta famille. Si maintenant il y a cette famille, prends soin de ton père. Parle bien de lui. Famille de l'âme. Famille patrie. Famille sans avoir, sans colère, il existe. Voilà. Et la maman a fait. Le papa parle, il existe. Le papa, dans sa vie, il fait quelque chose de très difficile. Mais là, il veut dire, oh papa, amen. Papa, merci. Parce que moi, je garde l'amour. Voilà pourquoi quand c'est marié, on cherche que tu sois au centre. Seigneur, sois au centre. Parce que de nos enfants, nous voulons avoir des géants. Nous voulons avoir des rois. Nous voulons des enfants que tu élèves là. Je vais aimer. Je disais à Dieu il y a beaucoup d'années. Et j'ai eu la paix quand je venais de malade. Seigneur, je suis pasteur. Je suis déjà pasteur, c'est mon âme. J'ai dit, Seigneur, je veux que comment je prêche. Mon fils, je vous prie. Aujourd'hui, je ne pêche pas sans te dire. Mais malade. Et docteur de l'État qui dit, parce que vous êtes aujourd'hui. Je vais aller prêcher. Docteur, moi, je n'ai pas encore dit aujourd'hui. Parce que Dieu m'a dit de délivrer des enfants que Dieu ne va pas me faire. Je dis, je n'ai pas à prêcher. Je vais sortir comme ça, je vais me seul dessus. Il me dit, pasteur Cécile. Tu me connais où? Pasteur Cécile? Tu t'appelles pasteur Cécile? Ah, tu es obligé d'accepter. Je dis oui. Il dit, pendant que vous étiez en train de discuter avec le docteur, j'ai vu trois soeurs, trois femmes sortir de la chambre d'hôpital. Je peux bien te donner leur nom. 1, 2, 3. Donc dès qu'il m'a donné le nom, déjà j'ai commencé à t'équiter à genoux. Et je commence déjà à trembler là. Quoi? C'est ça. Il est dans l'église où moi je passe. C'est moi qui leur bénissais. Ils ont vu mon zèle. Alors ils ont pu provoquer un arrêt. Lorsque moi je verrai mon enfant. Oui, et que vous êtes oui. Oh, ce moment-là, j'avais déjà une vie qui. J'ai
celle-là, mais tu prends ton problème, tu dis à la sœur là, quel est ton problème? Quelle est la sorcellerie qui t'a mis? Vous avez bien le problème, n'est-ce pas? Faites-moi. Réglez-le. Réglez-le. Pourquoi vous voulez qu'il y ait le problème de l'église qui est déjà parce que tout le monde sort? Quel est ton problème, toi? Pourquoi vous voulez utiliser les faiblesses qui peut avoir une famille pour faire quoi? Pour déstabiliser la famille. Si c'était toi, Dieu t'a dit, je vais bénir la famille de Jacob. Tout le monde a été pour. Non, Seigneur, pas cette famille. C'est une famille pourrie. Mais dans la famille pourrie est sorti celui qui a fait manger. Celui qui a perdu le fond de la vie. Celui qui s'appelait Yahvé. Il a jeté là. Yosef. Monsieur, tu es le Yosef de ta femme. Tu es le Yosef de tes enfants. Tu es même le Yosef de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as rencontré. Tu es ma sœur dans le Seigneur. Amen. Dans ma vie, peut-être que je n'avais pas prévu que je devais avoir une sœur blanche. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvée. Amen. Frère bien-aimé, je termine cette prédication en disant, il a commencé par la famille, il a terminé par la femme. Amen. Mais je veux que vous puissiez recevoir l'onction de l'amour. L'onction de la réalisation de la promesse. Je veux que tout le monde puisse dire à Dieu maintenant, Seigneur, tu m'as dit des choses. J'ai pensé que c'était déjà perdu. Non, ce n'est pas parce que ça a duré que c'est perdu. Il est écrit que si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Maintenant, c'est à toi de prendre de bonnes décisions. D'accord? Nous, on a déjà dit d'ôter les masques. Mais toi, tu as pris la décision de faire quoi? De garder ton masque. Est-ce qu'avant d'entrer ici, on t'a dit enlève? C'est ton choix. Faisons des bons choix. Joseph a fait des bons choix. La femme lui a dit, couche avec moi. Il a dit, non! Moi, je suis là pour ma famille. Pour ta famille, tu ne peux pas aller de prostituée. Pour ta famille, tu ne peux pas faire de quoi. Ma mère est là pour sa famille. Il nous fait aller à l'étranger. Vous ne pouvez pas aller. Pourquoi? Les parents sont derrière. Mbappé, Mbappé. Là, maintenant, on parle plus en français. Mbappé, viens, viens, maman. Mbappé, viens, 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 Mbappé, viens, 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 quand il mange, je vais lui dire, ah, à quel homme comme ça va être chef? En rangeant comme ça, il garde la famille à quelle heure? À quel endroit? Ma chérie, si tu as des problèmes avec tes parents, règle-le. Hein? Faut pas venir faire descendre le chéminin, pendant qu'avec ton père, c'est pas le chéminin, c'est la même. Avec ses parents, il a des problèmes, il vient ici. Chekina, le Chekina, le Chekina. Non! Appelle papa. Avec papa, on ne dit pas papa, j'ai voulu te parler, reste là. Papa, tu sais que tu m'énerves. Hein? Non. Avec papa, papa, je sais. Je sais. Et pour nous aussi, au monde, il est désolé. Parce que vous ici, il est désolé. Regardez, désolé. J'ai marché. C'est le dans une vie. Le 4 C, tu vois, le premier C, c'est le constat. Il s'est trompé de me séparer chez mon père. Oh, tu viens en abondance, moi ici, je ne fais pas. Je meurs de faim. Quand tu meurs de faim, regardez bien, c'est peut-être parce que tu es prêt avec papa. Va l'honorer. Bon, moi, c'est déjà perdu la vie. Même là, on a vu.
Ce qu'il y a, maman, ce que ma maître n'y a pas, vraiment, maman, ce que ça a dit, maman, si ça m'énerve, je fais le truc de l'enfance là. Oh, Dana, oh, ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'arrêtas, toi qui gouvernes mes premiers pas, toi qui la première, ouvrir les yeux au prodige. Oh! Toi, quand c'est maman, tu cries. Maman, j'en ai marre! L'argent de l'Europe ici, c'est. Je sors le matin. Maman n'est pas sortie le matin. Maman, là, elle n'est pas sortie le matin. Papa, là, il n'a pas sorti le matin pour toi. Pour que tu deviennes orgueilleux. Pour dire à Jacob, Jacob, attention, c'est moi, Joseph, ici, si tu blagues, je vais te faire coffrer. Jacob, devant son père, il s'agenouille. Il dit, Abba, père. Abba, papa. Quelles sont tes relations avec la France? A des problèmes. Le taux de mortalité des jeunes est de combien? Merci. Beaucoup de jeunes en Europe meurent. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de causes. Mais il y a une, les relations avec leur père. Je passe à la gare, je vois ces jeunes qui viennent à la gare. Je pose la question. Maman est venue. Papa est venu. J'étais au métro. Quand il dit que je suis venu. Moi, on appelle une fille à la maison. Et j'ai une fille à la poste de l'école. Elle est venue chez moi, ma fille. Je peux sortir. Parce que en dessous du métro là-bas, je dis, ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas une jeune fille. Hein. Je peux bien bien te faire du bien. Hein. J'ai dit, ma fille, est-ce que tu me connais? Oh non, je n'ai pas besoin de te connaître. Ah bon? Ma chérie, fais attention de marcher avec n'importe qui, de manger avec n'importe qui, de sortir avec n'importe qui. Parce que tu ne me connais pas. Je te vois là 20 ans, mais ta vie peut s'arrêter. Parce que tu peux rencontrer une mauvaise personne. Mais moi, je suis une bonne personne. Je suis ton père. Parce que j'ai une fille exactement comme toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus est capable de te faire sortir de cette histoire. Non, moi, je ne t'ai pas parlé comme ça pour que tu me prêches. Eh bien, je suis désolé. Moi, je n'ai que ça comme réponse. Est-ce qu'on peut lever le main? Parce que je dois respecter l'heure. Je dis lever le main. Je ne vous dis pas de vous mettre debout d'abord, de lever les mains. Une famille compliquée. Les enfants qui se battent entre eux. Regardez, il est avec ses frères-là, mais les premiers, les enfants de Léa ne sont même pas là. Famille où on ne se reconnaît pas. Mais Dieu dit, c'est dans cette famille-là que je vais accomplir des choses. Alors, aujourd'hui, c'est le jour où tu dois demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les péchés de notre famille. Pardonne ma maison. Parce que j'ai remarqué que ma maison n'a pas d'alliance avec toi. Prions le Seigneur. Ramène-moi aux choses simples qui te montrent ta grandeur. Seigneur, fais-moi montrer ma famille. Il y a une famille qui n'était pas liée dans laquelle elle cherchait sa famille sur la terre. Seigneur, pardonne-moi, j'ai décidé de me séparer avec mes frères parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est grave. Joseph l'a dit, ne pleurez pas. Vous m'avez fait du mal. Vous n'avez pas voulu.
Mais le mal que vous avez jugé à le faire, Dieu l'a transformé en bien. Oh my God. Mais le mal que vous avez pris de faire, Dieu l'a transformé en bien. Tu connais tellement de secrets. Oui, je suis devenu adulte, je connais tellement de secrets de ma famille, je l'ai dit. Comment c'est-il possible? Mais Dieu l'a dit, c'est ce qui manque. Ce n'est pas parce que tu as vécu dans une famille toxique que je serai incapable de faire des choses comme ça. Tout ça, c'est que pour que je te fasse devenir le premier dans ta famille. Alors, toujours les mains levées. Notre deuxième sujet, c'est de chacun en prier pour sa famille. Hein? Quand je dis famille, tu as vu, tu as des enfants, tu as des qui ne viennent pas ici, c'est pas grave. Tu vas maintenant prier pour ta maison. Voilà, tu parles de ta maison. Moi j'en ai 6, toi j'en ai 2. Tu n'en as pas encore, mais prie déjà pour tes enfants. Tu as eu une grossesse avec un homme comme ça. C'est pas grave. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Tout ça dans le plan de Dieu. Il ne t'abandonne pas, mais Dieu tout simplement que tu crées une alliance. Dis Seigneur, j'ai créé une alliance avec toi, qui est ma famille. Sois une famille où tu viendras réaliser ce que tu m'as promis. Prions Seigneur. Seigneur, je renouvelle ce matin l'engagement que j'ai fait avec ma famille. De te mettre à l'intérieur, de te mettre au milieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis un papa, ça c'est vrai. C'est moi qui vais subvenir aux besoins de ma famille. Mais il arrive aussi que je souffre. Il arrive aussi que je prenne des mauvaises décisions. Mais Seigneur, là où je prends des mauvaises décisions, je veux que toi tu sois là pour pouvoir, Seigneur, oh, pallier à mes faiblesses. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que chacun de nous, Seigneur, puisse. Voilà. Cite le nom de ta famille trois fois devant la présence de Dieu. Famille, t'es là. Famille, t'es là. Famille, t'es là. Allez, dis-le. Dites le nom de ta famille. Allez, go. Bon, élève la main droite. Élève la main droite. Élève la main droite. Comme ça. Élève la main droite. Répète ce que je dis. Moi, c'est Saint-Pierre. Toi, dis ton nom. Moi, c'est Saint-Pierre. Prophète de l'éternel. Je le déclare. Je le confesse. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, ma famille conclut une alliance avec le Dieu d'Abraham, avec le Dieu de Jacob. Au nom de Jésus, Seigneur, que mes combats deviennent tes combats. Seigneur, que nos manquements deviennent tes manquements. Que nos guerres deviennent tes guerres. Au nom de Jésus, nos familles sont comme toutes les familles. Il y a des trucs sales, mais nous voulons bénir notre famille. Nous voulons croire qu'au travers de notre famille, tu vas bénir d'autres familles. Au nom de Jésus. Alors finalement, Dieu me met à cœur de prier pour cette famille, Métanoïa. Lève le demain encore, allez. Cette église, c'est une famille. Il y a papa, il y a maman. Nous sommes des enfants. Que Dieu nous donne la grâce d'aimer notre papa. Le pasteur Alain, nous devons l'aimer. Nous assistons aujourd'hui à des églises où les gens prient dans une église, mais ils n'aiment pas le pasteur, ils n'aiment pas la maman pasteur, ils ont des problèmes avec les enfants pasteurs. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Si tu es venu faire ici parce que tu as rencontré un père, tu peux avoir 50 ans, mais il est ton père. Tu peux avoir 100 ans, mais il est ton père parce qu'on parle de la spiritualité. Alors nous allons dire, Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer notre famille. Nous prions pour tous les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour la famille Métanoïa, une grande famille que tu as élevée pour la stabilité de plusieurs autres familles. Au nom de Jésus, accepte que cette famille puisse bénir d'autres familles. Jésus, merci pour m'avoir donné l'occasion de venir parler à Métanoïa Paris. Que cette famille soit une famille où la
promesse de Dieu se matérialisera. Jésus, tu es Dieu, tu es puissant. Je te prie, Père. Je sais que cette église a des problèmes. Mais viens, Seigneur, règle-la. Règle-le au nom de Jésus. Règle ces problèmes. Nous prions pour le Père qui est le pasteur Alain. Nous prions pour ses collaborateurs. Nous prions pour que l'amour règne. Que l'amour règne, Seigneur. Que l'amour règne, oh mon Père. Que l'amour règne dans cette famille. Que l'amour règne. Oh Jésus, merci. Alors, c'est maintenant moi qui prie. Seigneur, le jour où tu m'as donné cette révélation, tu m'as dit, tu verras ce que je vais faire. Je sais que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Il m'a révélé un secret et ce secret vient de régler des problèmes ce soir, ce matin. Je sais que le cœur de plusieurs personnes sont saisis. Beaucoup avaient des soucis. Beaucoup se posaient des questions, mais Dieu m'a dit, mais pourquoi je ne vois pas? Cette prédication vient de régler les problèmes. J'ai dit, cette prédication vient régler des problèmes. J'ai dit, cette prédication a libéré l'action de Dieu. Oui, les mots de Dieu viennent d'être réécrits en ordre dans votre vie. Vous avez compris que ce n'est pas Elohim seulement que vous avez besoin, mais vous avez aussi besoin de Yahweh. Ils sont entrés en Égypte, ils avaient Elohim. Mais le roi d'Égypte a dit, je ne connais pas Yahweh, je ne veux pas laisser. Donc si tu ne connais pas, si tu n'as pas Yahweh, tu resteras en esclavage. Mais si tu as connu Yahweh, le Dieu de famille, tu sortiras de la prison. Père Saint, merci pour la force que tu m'as donnée. Merci pour le pasteur qui m'a donné l'occasion de parler. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. J'ai dit amen. Amen. Puisque c'est ma maison, je me permets, je vous dis que je suis sur Facebook. Si tu tapes ce synthé-là, je sortirai. Il y a une émission que j'anime là-bas pendant 5 minutes. Si tu peux partager, c'est édifiant. En tout cas, aujourd'hui, je verrai un peu le nombre d'abonnements. N'est-ce pas, ma soeur? Hein? Ah, vous avez déjà regardé? Oh mon Dieu, c'est beau. On va passer maintenant à la vidéo. Allez, soyez bénis. Amen. On acclame encore le Seigneur bien.